Eh ben, bonsoir, bonsoir ou bonsoir, re. On est de retour à bord de l'USS Montero qui est actuellement posée sur la Lune OP68, Lune qui orbite actuellement autour de la géante gazeuse KV-551, si mes souvenirs sont bons. Et vous êtes en train de vous poser des questions. Vous avez eu un atterrissage un peu secoué, grâce à notre charmante pilote. Un Oh atterrissage ben ça va, parfait. on gagne. Parfait. Parfait, parfait, plein d'émotions. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bah ben oui, notre ami Sonny Sigle a fait quelques prélèvements, est sorti. Charm a fait un petit cauchemar de rien du tout avant de se réveiller, mais ça c'est pas bien grave, c'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, je dirais que tu as récupéré déjà au moins deux encore, parce que pendant le temps qu'ils sortent, tu as pu te reposer, donc tu as récupéré 2 points de stress. Il t'en reste peut-être encore un, non? Ben, j'ai utilisé mon objet fétiche. Attention, parce que si tu l'utilises, tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois par partie. Oui, mais ça me fait perdre un point, c'est ça? Oui, si tu peux faire un point, mais est-ce que tu l'utilises maintenant ou tu le gardes pour plus tard? C'est à toi de C'est voir. l'OMJ, il faut lire entre les C'est à toi de lignes, voir. Ah, il faut lire entre les lignes avec le MJ, hein. Je vais C'est toi rester qui à... vois. Je reste à... C'est toi qui vois. Oh là là, c'est sûr. Bref, donc voilà. Donc bah, effectivement. Et puis vous avez, enfin Miller et c'était qui d'autre? C'était qui était dehors? C'était Rai qui était C'est dehors, c'est Ray, ça? ouais, qui est avec moi. Ah non, mais c'était Sig. Non, Ray avait rien vu. C'est Sig qui avait vu. Vous aviez vu tous les deux ce qui semblait être une silhouette apparemment humaine, quelque part sur un rocher assez loin. Et d'après maman, qui est l'ordinateur de bord, pour ceux qui connaissent pas l'univers d'Alien, d'après maman, cette silhouette est en train de se rapprocher de votre vaisseau. Actuellement posé sur une plage, pendant que Sony est dans son Medilab en train d'analyser les échantillons qu'il a prélevés. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, moi? Préparer les combinaisons pour qu'on puisse faire la sortie et je suis déjà en tenue. Très J'ai bien. une question pour Oui. notre capitaine. Est-ce qu'il veut que je vienne ou pas? Est-ce que je sors ou est-ce que je reste à l'intérieur? Oui, vas-y, viens avec nous. Ça marche. Juste question sur les ressources. Combien ça nous consomme de sortir comme ça Quand en c'est des l'air sorties et... courtes, comme ça, je compte rien. Ok, Et d'accord. si la sortie c'est un petit peu longue, au bout d'un moment, je fais un jet de dés. Donc vous avez 4 réserves dans vos. Enfin, ça dépend quelle combinaison. Je crois de mémoire que je regarde. Que je J'ai le... regarde. Normalement, là, vous mettez les combinaisons. Parce qu'il y a des combinaisons pour l'espace. Il y a les combinaisons. Voilà, non, précisément, vous mettez les Wayland Yutani APE Suit. Quand vous sortez comme ça sur la planète, et elle a 4 réserves d'air, bah les deux ont 4 réserves d'air, et je fais un jet pour chaque combinaison. Si je fais. Donc je fais un jet. Quand il y a 4, je lance 4 dés. Si sur un des dés j'ai un 1, et ben ça descend à 3. Et Ok, si j'ai 2 1, ça descend à 2, etc. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais sinon, bah ça reste à 4. c'est simple et rapide. Voilà. Mais là, vous êtes sorti juste quelques minutes. Ouais. On n'a pas un appareil de véhicule terrestre? Non. Vous n'aviez pas prévu de pas pareil de véhicule terrestre pour le peu. Il y a une petite navette, sinon, si, il y a une petite navette qu'on appelle une petite navette pour normalement qui sert dans l'espace pour éventuellement d'aller d'un vaisseau à un autre. Que vous pourriez éventuellement prendre pour vous déplacer. C'est vous qui voyez. Sinon, véhicule terrestre, vous avez des. Vous avez deux. Je vous ai mis dans votre fiche, dans le fiche. C'est pas vraiment des véhicules, mais c'est des espèces de. Oh, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Donc moi, Matériel à bord de Montero. Des j'ai rien en caterpillars. équipement. Des caterpillars, c'est des, en fait, c'est des, c'est le, les descendants
des caterpillars du 21e siècle. C'est comme des. On en voit dans le film Aliens, à la fin du film Aliens. C'est en fait des espèces d'exosquelettes, de gros exosquelettes qui servent pour soulever des masses lourdes. Donc vous pouvez vous déplacer avec, mais il n'y a qu'une seule personne à l'intérieur, quoi. C'est normalement Cham et Rai qui les utilisent pour bricoler et pour Le matériel, d'accord. transporter du matériel ou des choses comme ça. Donc il y a Parce que ça. moi, j'ai aucun matériel ou aucun objet ou équipement dans ma fiche, c'est pour ça que je vois pas. Non, j'ai mis dans, justement, vous regardez dans documents, c'est le matériel, il est à bord du Montero. Vous allez dans Ah, d'accord. documents, il y a matériel à bord du Montero. Et le matériel, il est en commun et vous pouvez vous servir et vous me dites, bah, je prends ceci, je prends cela, quoi. D'ailleurs, je considère que le pistolet, je l'ai sur moi. D'accord. Voilà. Effectivement, il n'y a qu'une seule personne ici qui a un pistolet, c'est l'officier Miller qui a un petit pistolet automatique avec elle. Alors, Donc, bah voilà. moi, je prépare tout ce qu'il faut et je prépare aussi des lampes torches, du petit matériel pour en cas de panne ou des trucs comme ça avec les combinaisons, des choses comme ça. D'accord. Vous n'avez pas prévu d'aller bien loin, hein. Vous avez prévu d'aller à quelques Oui. centaines de mètres du vaisseau pour aller rencontrer cette créature qui vient vers vous. Ouais, mais je suis assez superstitieux pour me dire qu'il peut toujours nous arriver une merde. D'accord. Donc, bah, dites-moi, qu'est-ce que tu anticipes pour cette merde? Parce que des lampes torches, je ne sais pas trop à quoi ça va te servir, mais bon. Non, mais À par moins lui exemple, éclairer les yeux. non, mais en cas de dépressurisation, du Interrogatoire. scotch, une petite caisse à outils avec du Oui, scotch, vous avez toujours sur vous, effectivement, des. Une trousse de réparation d'urgence de combinaison quoi avec du des scotch, des petites choses comme ça. rustines, des choses comme ça ouais. C'est pas ça, c'est que je suis assez superstitieux, je veux toujours Ouais. avoir le bon matériel au bon moment. Bah dis-moi c'est quoi ton matériel alors que je sache. Ben c'est ça, C'est ça une va lampe être le torche matériel d'entretien de lampe torche, le matériel d'entretien des combinaisons. D'accord. Ça va être aussi revérifier le matériel de la trousse de soins en cas de besoin D'accord. aussi. Je me balade aussi toujours avec non, mais voilà, je me balade avec tout ça, c'est tout. Et je mets toujours le matériel adéquat. Je fais attention à tout Non, mais ce ça. que je cherche à savoir, c'est si tu emmènes des trucs du genre une clé anglaise, un marteau, un crin, un tuyau, ou un je ne sais pas quoi, ou. Non, ça, je ne vais pas amener ce genre de choses. D'accord. On va Ok. pas se battre. Non. Pourquoi faire? Quelle idée. Pas du D'accord. tout. D'accord. Très bien. Donc, du coup, il y a qui sort? Il y a Miller. Tu emmènes qui avec toi? Non, il y a pareil, du coup, il y a Fiona, il y a Cham. D'accord. Par Eh contre, ben. avant de sortir, je voyais Sonny qui arrive. Sonny qui arrive et il dit il parle à Miller. Commandant, vous allez sortir. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre qu'il y ait une forme humanoïde qui arrive vers le vaisseau? C'est étrange, mais je pense que ce qui a été suggéré avant est fort possible que ça soit une compagnie, une corporation concurrente qui a envoyé du monde ici. C'est un peu pour ça que j'aimerais que vous restiez ici faire les analyses. Parce que dans le cas Je me dis où. quand même un truc, je prends aussi une torche coupante. Parce que s'il y a besoin, j'ai l'impression que. Au cas où, je rajoute une D'accord. torche coupante. D'accord. Là, on passe carrément aux extrêmes opposés, là. Soit. Non, il y a un truc, c'est que là, Ça me je me choque dis. pas. Hein. Ça me choque pas. D'ailleurs, il fait un peu une tête bizarre, mais il dit rien. Enfin, elle fait plutôt. Ok. Donc ouais, je disais du coup, c'est un peu pour ça que j'aimerais que vous restiez faire les analyses.
Si c'est une compagnie concurrente, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les coiffer au poteau. C'est comme ça qu'on récupérera les meilleurs prix. Maman, est-ce que tu Oui. pourrais faire une analyse sur la personne qui est en train de venir? Est-ce que c'est un humain? D'après mes senseurs, comme je le disais tout à l'heure, je ne détecte aucune source de chaleur. Sa forme est humaine. Oui, tu vois, Commandant, Sony, vous dans... pas besoin de s'inquiéter. On gère la situation. Oh, je m'inquiète pas. Parfait. Je posais une question à maman pour savoir s'il y avait une source de chaleur et si c'était quelqu'un qui agissait pour une autre configuration. Je pense qu'il aurait produit un peu de chaleur. C'est un truc. Ça Pas si c'est un synthétique. voilà, ça serait pas un synthétique, cette bestiole. Pas si c'est un synthétique, et même s'il est à l'intérieur d'une combinaison, je suis pas sûr que ça. On sait ça, je le saurais ça s'il est à l'intérieur d'une combinaison, si ça capterait avec les détections de chaleur. Il peut y avoir un petit peu de fuite de chaleur au niveau des combinaisons, on pourrait en détecter un peu. Mais surtout, Ouais, et elle, c'était. je te rappelle qu'aux jumelles, t'as vu qu'il n'avait pas de casque. Ah, j'ai vu qu'il y a. Ah, ok, ah, j'avais pas compris ça. Ok. Point de mémoire, un synthétique n'émet pas de chaleur ou il en émet quand même d'eau? Non, ils en aimaient pas. D'accord. Ok, bah. Bon, Non, allez, non, on va pas prendre racine, hein? du C'est coup, parti. je vais changer de plan. Bon. J'avais pas compris qu'il n'y avait pas de casque. Je prends une clé à molette, une Je... grosse clé à molette. Ah, en plus de la torche. Oui. Plus on Je discute, plus vais. il va se charger, lui. T'as combien d'encombrement là? Faut que je regarde là. Je sais pas, je suis à zéro, mais en fait, ça devrait pas être 10 sur la fiche que j'avais en PDF. Ouais, normalement, ouais. C'est 10 normalement de mémoire sur ton personnage. Fiona prend un pistolet à Donc, côté et je vais te passer un une pistolet à fois côté. Je qu'il vais. y a eu cette conversation, Sony fait J'ai un demi-tour pistolet? et il retourne vers l'arrière. Il les laisse sortir. Un Du pistolet à clou, je te coup, passe, ouais. un pistolet à clou, très bien. Ouais. C'est. Ok. Merci. Information perturbante. T'es pas en train de les stresser là? Tu voudrais pas que je leur mette à tous un point de stress là, Miller? Non, 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 non. Je suis déjà en stress là. On sort, on sort. Je sais Non, pas. mais vous me voyez déjà avec pas mal d'objets là. Je sais pas combien ça fait d'attaque ni rien, mais bon, C'est comme ça, Regarde elle agit dans les facilement. documents. Sur Roll20, Matériel à je bord les ai du mis. Montero, c'est la troisième ligne. Ok, merci. Voilà. Donc vous sortez. Ouais, on sort, ouais. Eh bien, vous sortez. Oui, Rai reste à l'intérieur avec Sig. Ben, vous sortez, Oui, ben, vous mais avancez. par contre, Sony, au lieu d'être allé au MedLab, il s'est approché du poste de pilotage. Est-ce qu'il a un visuel sur le terrain où arrivait Bonne la question. forme? Alors je vais faire un test pour savoir dans quel sens Fiona vous a posé. 1, 2, c'est dans le bon sens. 3, 4, c'est dans le mauvais sens. Ah, bah c'est dans le bon sens, effectivement, tu les vois. Non, mais moi j'ai Tu fait un peux atterrissage voir là. parfait, je peux. Elle est dans le Donc sens. moi je me suis. Tu peux voir effectivement la personne. Enfin, la Donc en forme fait, je suis au s'approcher. poste de pilotage et je les regarde descendre et regarder la forme. La forme qui s'approche. Et tu fais pas des expériences? Tu fais pas tes tests? Tu laisses les temps se tourner ou... J'ai laissé les tests tourner, mais. Du coup, ça m'intéresse plus ce qui est en train de se passer là. Ok, fais-moi un test Medilab, médical, que je vois si qu'est-ce que ça va donner tes résultats des tests. Soins médicaux ou manipulation? Attends 2 secondes.
plutôt esprit, comme tech, observation. Observation? Observation. Comme tech, non. Ouais, Sûrement. on va dire que Observation c'est plutôt. observation. Ouais, allez, observation, parti. Bref, aïe. Ok, d'accord. Ah bah, non. Je... Ouais, ok, bon. Je te dirai le résultat après. Ok. Ah, j'ai même un plus 2 parce que pour toi c'est un test de routine. Tu peux me lancer 2 dés de plus. J'avais mis. Donc ça va être en D de 6, 2 2 dés D de de 6 6, en ouais, de plus. plus, ouais. 6, 6 et 6. Oh là là, donc ça fait 3 réussites. Ça fait 3 réussites. D'accord. Eh ben, je te dirai. Ok, je te dirai le résultat juste après la scène Ok. qui va se passer là. Eh ben, donc vous sortez et vous voyez effectivement un individu. Alors, je vais vous remettre dehors. Je vais vous remettre dehors. Pouf, voilà, vous êtes dehors. Vous voyez effectivement un individu qui s'approche de vous. En combinaison, un peu des combinaisons similaires aux vôtres. Et il s'approche, et puis quand il arrive à peu près à votre hauteur, bah, il s'arrête. Et il se tient devant vous tout droit. Ouais, enfin, Vous voyez marqué. Alors apparemment, c'est une combinaison de la Wayland Yutani, avec OK. le caractéristique WY que vous connaissez. Et il porte le nom de Green. Marqué sur sa combinaison. Et il se tient devant vous. Ah, OK. aussi, vous remarquez que la combinaison est très fortement tachée. Alors, Et c'est des taches marron, c'est probablement du sang coagulé depuis très longtemps, mais vraiment, il en a beaucoup sur lui, quoi. Sa tête ressemble à quelque chose Oh, une tête à l'humain. humaine, tout à fait normale. Ok. Mais vraiment, par contre, son visage est très inexpressif. Vraiment, il vous regarde, il se pose un petit peu comme s'il vous regardait à travers vous, en fait. Quand tu regardes, t'as Ok. l'impression qu'il regarde vers l'infini, sans vraiment vous regarder, quoi. Des visages, Je vais mais faire Green. impassibles, quoi. Green, pour voir s'il répond. Aucune réaction. Ok. Mais Miller, vous voulez que j'essaie de l'assommer ou que je le démouette? il n'a pas l'air agressif. Que je le Ouais, démonte. l'assommer, c'est à y aller fort, mais je vais m'approcher de lui, essayer de le secouer un peu, et vous restez sur garde. Essaye de ne pas montrer aucune forme d'agressivité. Pas de On ne sait jamais. problème. Je vais m'approcher T'as voilà, doucement. Je vais tendre la main devant moi un peu pour voir s'il réagit quand je m'approche. Non, il réagit pas, totalement impassible. Ok. Si je m'approche jusqu'au contact, il se passe Bah, quelque chose? tu le touches, ouais, et là, tu le touches. Ouais, je le secoue un peu. T'as l'impression de secouer un espèce de pantin ou de. Comme si c'était une espèce de poupée ou de. Non, ça fait rien. Tu le bouges et puis il se remet en place sans bouger. C'est un synthétique, non? On peut peut-être le ramener et voir s'il a une Je mémoire vais. quelque part, non? Pour Oui, voir enfin, ce qu'il a vu récemment. que ce soit un synthétique vous ou pas, avez vu on que va le sa ramener. combinaison est recouverte de sang Bah oui, justement, on se demande ce qui s'est Mais passé. est-ce que ça serait pas un défaut comme vous savez, ces espèces de modèles de synthétique qui s'étaient retournés contre les humains là? J'ai pas entendu parler de ça. Ah. Un film. Hein? Je vais le soutenir comme si je soutenais sur mon épaule et je vais l'amener vers le vaisseau. Mais Lâche pas ta clé à molette. on le garde. Non, Enfin, moi je lâche pas ma clé à molette. oui, on est quand même prudent, mais il n'a pas Je l'air agressif de toute manière. Ok, ben ouais, non, mais il vous suit, mais vraiment impassible, quoi. Si tu le tires derrière toi, il te suit.
Bah, c'est ce que je fais. Je le tire et je le ramène le plus vite possible au vaisseau. Voilà. Ben, vous retournez dans le vaisseau. Vous retournez dans le vaisseau. Je vous remets dans la cambuse. Ça marche. Du coup, on peut l'apporter à Sony pour qu'il nous dise si on peut en tirer quelque chose. Moi, je vais rester avec ce droïde et ma clé à molette dans, côté de moi. Ouais, tu peux le surveiller. Ça, on peut le surveiller. Effectivement, ben oui, Sony, tu les vois revenir à l'intérieur, accompagnés de cet individu. Un individu qui, voilà, totalement impassible. Une autre poupée, on t'amène, Sony. Ouais. Elle est en plus mauvais état que toi. Au moins choqué, endommagé, on sait pas trop encore. Il va falloir voir. Est-ce qu'il y a un moyen de regarder dans sa mémoire? Alors, à ta connaissance, peut-être, Miller, enfin, tous, vous avez quand même une petite connaissance parce que vous travaillez avec des androïdes depuis déjà un certain nombre d'années. Vous savez que des êtres humains ne peuvent pas respirer dans cet environnement-là. Mais vous savez aussi que des androïdes ne sont pas sensibles au stress. Et que ne peuvent pas être choqués. Donc ça bug des deux côtés, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai un moyen de rentrer en contact avec ce synthétique? À la mesure où par la technique ou par je sais pas. J'ai pas Il faut, je sais pas, faut que tu l'emmènes peut-être au Medilab et que tu l'examines ou j'en sais rien. Faut essayer de lui faire une prise de sang, voir si c'est vraiment un synthétique déjà. C'est un synthétique, attends. Tu crois qu'on peut survivre à ça? On l'amène au Medilab. Ok. Ouais, c'est ce que je vais faire, je vais l'amener. Sony, je t'accompagne au Medilab avec notre nouvel ami. J'essaye d'engager la conversation avec Green pour voir si j'ai un peu plus de chance que les autres quand ils étaient dehors. Green. Ouais. Donc moi, je le soutiens jusqu'au Medilab, quoi. Ouais. Et... Vas-y. Je suis Sony Sig. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Il est complètement impassible, quoi. Vraiment totalement impassible. T'as l'impression qu'il regarde, il a les yeux fixés vers l'horizon en permanence, vers l'infini. Enfin, il a l'impression qu'il regarde à travers la paroi, les courroies. Enfin, tu regardes. Il te suit parce que tu l'emmènes, mais c'est tout. Ouais, mais faites-lui un examen. Y a qui dans le Medilab? Moi. Ça se passe parce qu'il est pas très grand. Le Medilab. Ah non, ça c'est maman, ça. C'est ici le Medilab. Moi avec ma clé à molette. Bah, moi, je suis devant la porte, je suis pas à l'intérieur. Je suis d'accord. Donc, je me tourne vers tout le monde. Ah, tu as les résultats qui sont apparus, les résultats de ton analyse aussi qui sont apparus. Tu veux les regarder? Ils sont apparus où? Dans le Medilab, l'analyse de ton échantillon d'eau. Est-ce que tu veux que je te les donne? Ou tu feras ça après? Je ferai ça après. D'accord. Je les ai vus du coin de l'œil qui s'est allumé. Et je ferai ça après. Par contre, je me tourne vers tous les autres en leur disant « Green a l'air d'être choqué. Si vous vouliez bien me laisser avec lui, je pense qu'en étant seul avec lui, peut-être il sera moins dans ce mutisme qui a l'impression de le maintenir. Si ça fait longtemps qu'il est sur cette planète, peut-être c'est ce qui l'a perturbé. » C'est Robinson Crusoe. Restez là, je suis pas convaincu. S'il se dérègle, j'ai pas envie qu'il commence à esquinter tout l'équipage. Ouais, je pense que c'est pas. Vous ne risquez rien, c'est moi qui suis là. Au pire,
Et tu fais partie de l'équipage. La poupée. Ouais, bah t'es quand même partie de l'équipage, tu restes dans l'équipage. Fais partie du matériel. Donc je reste là. Faut pas abîmer le matériel. On a besoin de toi pour finir la mission, Sony, de toute façon, donc faudra pas qu'il t'arrive quelque chose. Gardons la sûreté en priorité. On me fait discret. Hein? Donc, oui, là, donc, du coup, il y a qui dans le Medilab là, avec. Moi. Donc, okay. On est trois et il y a Fiona qui est devant la porte, c'est ça? Je suis devant la porte, mais si jamais Miller s'en va, je suis. Ouais. On va. Donc vous laissez Sig et Cham dans le Medilab, c'est ça? Pour l'instant, ouais. Et faites des résultats de test. Je pense pas que ça soit un synthétique, donc soyez prudents. Ne les squintez pas. Et revenez voir dès que vous avez les tests. Les résultats des tests. Quand il dit ça, je commence à ausculter Green. Tu enlèves sa combinaison, c'est ça ou c'est quoi? Tu l'auscultes comment? Ben déjà, oui, j'essaye de voir si. Non, avant d'enlever sa combinaison, j'ai demandé si quand vous l'avez fait monter dans le vaisseau, est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur lui de particulier? Fouiller en même temps. Sans sa combinaison. Rien de spécial. Mais tu peux recommencer par regarder ses réflexes oculaires ou ce genre de choses, parce que ça, c'est déterminant pour si c'est un synthétique ou un humain. Ah oui, peut-être ce que je vous ai pas dit, c'est que sa combinaison, en plus d'être sale, elle est quand même pas mal abîmée aussi. Elle est un peu déchirée, un peu en lambeaux, quoi. Survécu comme ouais, ça, s'il n'était pas un synthétique. Je me retourne vers Fiona, je dis... Merci de me dire quel est mon travail, cher Fiona. Je t'en prie, Piquet, ça me fait plaisir. Et donc, il se retourne et il commence à regarder. Il commence à regarder si sa peau apparaît, si elle a l'air d'être endommagée avant d'ouvrir quoi que ce soit, si ne pas lui ouvrir sa combinaison, ce genre de choses. Bah, la peau, c'est surtout... Non, la peau, tu as accès au niveau du visage. Oui, mais justement, j'essaie de regarder si au niveau du visage des mains, ce genre de choses... Alors, les mains, non, sont dans les gants. Mais au niveau du visage, ouais, tu as sa peau. Ouais. Tu remarques qu'elle est particulièrement froide. Elle n'émet absolument aucune chaleur. Denis, bon, ouais. Tu veux que je t'aide à le déshabiller de sa combinaison? Tony. Alors, je me tourne vers toi. Je dis, mais avant toute chose, on va fermer la porte. Cham, il est avec moi. Tous les autres sont sortis. Je ferme la porte. Moi, je suis parti. Hein, je ferme la porte. Donc, on ferme la porte. Et là, je commence à essayer d'ouvrir sa combinaison. Le déshabiller. Ouais, essaye de me faire un jet de force. Moi ? Ceux qui essayent d'ouvrir la combinaison, là, oui. Fais un jet de force. Donc, force, c'est simplement... Ouais. Moi, j'ai simplement ça. Bah, vous arrivez... Attends, mais... t'as pas beaucoup de force, toi. Eh ben, non, bah, vous arrivez pas à la combinaison. Elle a l'air vraiment bloquée. Puis, enfin, même l'impression que vous avez, c'est qu'elle a l'air soudée à sa peau, en fait, la combinaison. Vous essayez de tirer dessus. Merci. Ça m'agace. Est-ce qu'en tant que médic, j'ai déjà soigné des synthétiques? Ouais, enfin, non, c'est pas trop ton truc, c'est plutôt les technos, les prolos, là, ce serait plutôt Cham qui a l'habitude de réparer les synthétiques. Mais vous avez jamais vu des synthétiques comme ça, en tout cas. Alors, peut-être c'est un modèle expérimental, militaire, ou je sais pas quoi, mais pour toi, ça ne te dit rien du tout. Ni l'un ni l'autre, vous avez jamais vu un synthétique qui ressemble à ça, quoi. Moi, je vais essayer de Je demande à Sony, tu
peux me passer une lame ou autre. Je vais essayer de voir si je peux décoller la combinaison. D'accord, Cham, mais avant ça, maman, attends, c'est pas, ça on passe par maman pour appeler quelqu'un en particulier dans le vaisseau ou non? Ah bah maman, tu peux lui parler directement. Tu dis maman, non, c'est comme que, Google, hein, tu dis maman et puis elle te répond. Est-ce que tu pourrais demander à Ryan de venir au Med Lab? Ray? Il doit avoir fini ses sandwichs là. Oui, mais tu peux. Oui, Ray, ici maman, tu as demandé au Medilab. Ouais, j'arrive. Ouais, qu'est-ce qui se passe encore? Ray, il faut que tu m'aides. Là, on a trouvé un synthétique et il faut qu'on lui retire sa combinaison. Qu'est-ce que vous foutez avec un synthétique? Mais c'est pas possible, quoi. Vous avez trouvé un synthétique. Justement, on sait pas ce qu'il fout là. Et mais ça attends, vous appartient. Imagine si on découvre découvre des choses intéressantes, on peut peut-être bénéficier d'une prime. Ah, t'as dit les mots magiques, je crois. Bon, bah écoute, vous avez déjà essayé de lui dire bonjour. Si on arrive à trouver une épave de vaisseau. Allô, allez, oui. Donc on se remet à. Ouais. Bon, non, mais je rajoute. Écoute, j'ai une idée. Le robot, excuse-moi, Sony, hein, mais vous avez pensé à voir s'il avait une mémoire ou un truc comme ça, se connecter pour voir s'il avait. Il a l'air d'être cassé, USB. Là. Tu m'aides à lui retirer sa combinaison? Ouais, ok, ouais. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, moi, Ryan et Sam, je vous laisse vous occuper de lui. Pendant ce temps, moi, je m'approche des analyses, je suis en train de les compulser. Tu veux que je te les donne en public ou je te les donne en secret? Disons que tu peux me les donner en secret, puisque je suis en train de les consulter derrière. Ça, faut pas dire ça comme ça devant nous. Devant tout le monde. Il est tellement suspicieux. Logiquement, je suis en train de les regarder. Est-ce qu'on refait un test de force, nous, pour retirer? Et ben, moi, je fais bien un test plutôt de Comtech pour lui dézipper sa combi, quoi. Moi j'utilise la force pour forcer. C'est pas technologique, c'est plutôt de la force. Hein. T'as déjà fait un test de force, Cham. Tu veux pousser ton jet pour gagner un point de stress supplémentaire? Un nouveau jet, mais sans avoir besoin de faire un stress. Mais disons que ça va être Rai qui fait un jet de force et puis toi tu l'aides, donc ça lui fait un dé de plus, quoi. On peut faire ça comme ça. Là. Okay. Je sais pas si c'est comme ça dans les règles. Non. Attends. J'entends que ça claque le machin. Ah, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est faux. Bah il a zéro. Ah. Pourquoi il a fait rien du rien lancé? Ou quoi? Attends. Recommence. Qu'est-ce qui t'a fait? Ah, ça c'est mieux. Ouais, ben non, pas mieux. Ah, ouais, mais j'ai droit à un jet supplémentaire. Eh ben, si tu veux, tu lances un D6. Un D6. Il fallait faire un plus 1 à la quantité de difficulté. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait un plus 1, ça me fait ça. Mais t'avais combien, t'as combien en force? J'ai 4. Oui. T'as 4. Ouais, bah écoute. Bon, ok. De toute façon, ça fonctionne pas. Bon, bah non, c'est pareil. Hein, t'as Pareil. Elle est coincée. Faut y aller au chalumeau. Hein. Ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. J'y vais vraiment comme un brutal. Pendant que vous acharnez sur lui, que vous vous acharnez sur lui, je vais passer dans la chambre des secrets pour parler à notre ami Sig. Hop. Et voilà. Ben là, on est tous les deux seuls. Alors, pour te dire, qu'est-ce que tu remarques avec tous tes jets?
Et donc, effectivement, tu constates que la mer, l'eau que tu as prélevée, est très loin d'être stérile. Au contraire, il y a plein de bactéries qui vivent dedans. Et tu remarques que ces bactéries sont très similaires au phytoplancton qu'on trouve sur Terre. Et même comme tu as fait beaucoup de succès, tu découvres une signature au niveau de l'ADN. Et cette signature, c'est un W et un Y. C'est la signature de la Weyland-Yutani. Voilà. D'accord. Voilà ce que tu découvres. Donc la mer est déjà ensemencée par du phytoplancton D'accord. très similaire à celui que vous utilisez en fait. Sauf que celui-ci porte le. Vous, je rappelle, vous venez des Amériques unies. Uni, oui. Donc, a Alors priori, il y aurait déjà eu. que là, il porte le. Ouais. Donc voilà. Donc on va retourner sur le salon normal, si à moins que tu aies des questions de poser particulières ou pas. Je peux dater cette signature ADN ou c'est pas Daté, possible. non, mais vu la quantité, vu la proportion de tu estimes et vu les océans, tu estimes que ça doit faire. Pas loin de 1 an que ça a été ensemencé, quoi. À peu près Peut-être un an. 10 mois, 10 mois, 11 mois, quelque chose comme ça, peut-être. Dans ces eaux-là. D'accord. S'ils utilisent les mêmes process que Ok. vous, quoi. Dans D'accord. l'hypothèse qu'ils utilisent les mêmes méthodes que vous. Ok. D'accord. Eh bien, retournons à la maison. Ok. En tout cas, là, je reviens de la réserve avec un Voilà de retour, chalumeau et alors. un laser à découper. D'accord. Allez. Oui, On va l'ouvrir façon ouvre-boîte. J'ai peur. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous allez. D'accord, vous allez. Ok, d'accord. Et donc tu fais quoi alors exactement? Tu veux faire quoi avec le chalumeau? Avec le. En fait, c'est la. J'ouvre la combi ou le laser à découper, l'un ou Tu l'autre. mais Laser à découper, ouais. tu fais quoi sur, au niveau de la poitrine, du bras, de la main, le gant, le. On va commencer Je sais pas, par t'en penses quoi, les Tom? par on va commencer déjà par les bras, hein. Et Ouais, c'est après parti. et comme ça on fera ouvrir. On fera décoller après au niveau de la poitrine. Un bras, ça te recolle. De toute façon, si jamais je le découpe au niveau du bras, moi après je peux me brancher ici pour essayer de reponctionner au niveau de la mémoire centrale. Hein. Il n'y a pas de souci. Ok, bah faites-moi un jet. Non, c'est pas machine. Bah, Comtech plutôt. Ouais, un jet de Comtech. Celui qui ou celle C'est qui pas Machine découpe. Learn? Comtech, ouais. Bon, allez, hop. Comme tech. Je le fais. C'est bon. T'arrives Bah, effectivement à tu enlever vois? des petits morceaux de combinaison, mais c'est tout ce que t'arrives à enlever en fait. Des petits morceaux, mais vraiment des petits, genre des trucs de quelques centimètres, de 1, 2, 3 centimètres, pas plus, quoi. C'est tout ce que t'arrives un peu à enlever, quoi. Ah, mais c'est quoi cette vacherie là? T'as On beau, peut t'as pas. l'impression que la combinaison, elle résiste au laser et au chalumeau, quoi. Bon, écoute, plan B, je vais chercher la hache laser. On Allez. n'a pas de hache laser. Je n'ai pas mis ça dans On la n'a liste. qu'une hache normale. Il y a des marteaux, il y a des clés, des clés anglaises, il y a non mais il y a le comment ça s'appelle là, le truc le plus puissant que vous Le avez, c'est Bottle le truc le plus puissant que vous Gun? avez, Qu'est-ce qui c'est t'allait arriver là? la torche coupante. Ah, la torche coupante. La torche coupante, Et hein. ben je vais chercher la Coupante. torche coupante. Mais je considère que c'est déjà ça que vous avez utilisé, hein. Bon. Le capitaine, il va se renseigner sur ce qui se passe là, parce qu'il n'y a pas tout qui lui plaît. Alors, là, je suis en train de sortir la clé anglaise et je commence à essayer Mais vous êtes toujours dans le Medilab, c'est un peu à l'étroit là de parce que ça forcer pour commence essayer de à là retirer la parce que je sais pas si clé il ou de serait la tenir content que là vous où ils sont. commencez à manipuler des torches coupantes dans le Medilab ou peut-être vaut mieux aller à Ouais. l'atelier ou Surtout, c'est essayer de refaire Miller, elle est pas contente non plus. test de force pour retirer la combinaison. vous risquez de faire des dégâts dans le Medilab là.
Ah non, mais c'est sûr, je voudrais essayer de refaire. Non, mais c'est qu'un Android. Oui, mais c'est pas grave. On essaye de rentrer ensuite par la tête, ou alors on découpe la tête et puis on essaye de le rebrancher. Moi, je dis qu'il faut commencer à couper la tête. Voilà, non là, après, il faut se rebrancher. Ouais, quoi. Voyant... Je vais d'abord essayer de retirer la combinaison. Voyant ça, Sony se tourne. Ray, vous êtes bien gentil, mais là, vous allez m'exploser au niveau de mon laboratoire. Allez dans la soute. En plus de ça, il faut que je vois avec le commandant. Bon, on va pas aller dans la soute. Donc, bon, écoute, Cham, il a raison, Sony. Prends les pieds, moi je prends la tête. Allez hop, on va dans l'atelier. Tu veux le soulever? Mais il marche. Il marche. Tu le tires derrière toi. Il marche ou pas? Moi, sans problème. Bah oui, il marche, oui. Il marche, oui. Que... Et bon, debout. Cham, tu m'as dit qu'il fonctionnait pas le truc. Mais si, il fonctionne. Ah, si. Ah bon, d'accord. Autant pour moi. Et donc, je tape devant lui. Je tape devant. Oh, allez, debout. Tu comprends ou faut qu'on aille chercher le bon de charge? Il est complètement impossible. Je prends par le bras et je le tire. Bah, il te suit. Ouais. Je l'amène à l'atelier. Est-ce que je peux les interrompre avant qu'ils arrivent à l'atelier si j'ai aussi au courant de ça? Oui. tu les vois avec une torche coupante sous le bras et en train de sortir du Medilab avec Green qui tiennent par la main. Mais oh, Cham, Ray, je peux vous déconner, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est rien, on va le démonter pour voir ce qu'il y a dans le ventre, chef. Non, mais... Ne vous inquiétez pas, chef. Alors, j'ai déjà évoqué que j'avais raison de croire que c'était pas un synthétique parce qu'ils peuvent pas être en état de choc et. Et c'était quoi la deuxième raison? Ben, ça peut pas être un synthétique parce qu'il est pas en état de choc et c'est peut pas être un être humain parce qu'il arrive à respirer. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de problème pour respirer. Donc il y a une situation vraiment étrange et je pense pas que c'est dans la soute qu'on va résoudre ça. Donc ramenez-moi ça. Ramenez-moi au Medilab. Je t'explique. C'est simple, c'est un synthétique. Il est en état de choc parce que, bah, en fait, il a bugué. Il y a deux fils qui se touchent et tout. Ah, c'est. Ouais, on vous découpe ça. Quand il a entendu ça, Sony, il sort. Il a à la main une seringue. Il la plante dans Green. Et il lui casse la et tu casses la l'aiguille de la seringue. Ah, tu vois, elle se tord. Au niveau du cou. Où que tu la plantes, elle se casse. Oula, Sony. Et là... on se calme, tout le monde se calme. On ramène Green au Medilab, on l'allonge et on fait ça proprement. On n'est pas débouché. Qu'est-ce qui se passe? Il faut attaquer au scalpel laser. Je veux dire, il n'y a pas de. Ah non, moi j'ai une scie circulaire de l'ancienne époque. Ça y est, Ray, elle est médecin maintenant. Allez, on ramène au Medilab. On essaie de le scanner. On voit que c'est une machine, le truc là. Sony il se tourne vers Ryan. Ryan, regarde, il plante la seringue dans sa peau et ça rentre dans sa peau. Je suis un synthétique, la seringue rentre dans ma peau. Ça ne rentre pas dans sa peau. Ah merde, il doit valoir une fortune ce truc-là. C'est autre chose. Cham, on va faire attention, on va pas trop l'abîmer finalement. Putain, si on arrive à le revendre. Ouais. Sinon, t'as regardé s'il y avait des traces d'où il venait, tout ça Attends. Regarde la combinaison, Ray. Ça te... Est-ce que tu. C'est... Tu vois bien. C'est... T'as vu que la combinaison, il y a bien marqué. Wayland-Yutani. C'est la Wayland, est-ce que c'est marqué dessus? Combinaison de dernière génération. Ouais, mais regarde, est-ce que ça ressemble pas aux combinaisons qu'on connaît, qu'on entretient? Non? C'est très similaire aux vôtres, mais c'est pas les mêmes parce que c'est pas la même marque, mais ils sont très similaires. Ouais, commandant, tu peux me voir?
Commandant, est-ce que je peux vous parler de quelque chose? Putain, Sam, ils sont en train de remplacer les humains par des putains d'androïdes. On est en train de se faire rouler notre boulot. Commandant, ça me semble extrêmement urgent. C'est urgent, d'accord, mais on ramène Green à l'intérieur du Medilab et on parle. Oui, bon, on le ramène, on le ramène. Merci. Ça vous inquiétez pas. Sam, Ray, on y va. On va leur ramener parce que sinon ils vont faire une crise. Et je m'écarte un peu en privé avec Sony, si possible. Non mais, Sam, c'est un androïde. Il porte la même combinaison que nous. Ils sont en train de nous remplacer par les androïdes. Putain. Ils sont en train de nous prendre. Parce qu'il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me chagrine, c'est que t'as bien vu que Sony, lui, quand il se pique, ça l'aiguille le transperce. Lui, on n'arrive même pas à le transpercer. Alors, ou alors c'est un nouveau type d'androïde qui ne ressemble plus aux humains. Pendant que Sony et Miller ils sont occupés, moi j'attaquerais bien l'œil. Si l'œil. Tu vois, si jamais il y a un truc, on verra bien avec l'œil. L'œil, c'est putain, les barbares. Laissez-le tranquille. Je voulais mettre dehors, c'est ça? Ouais, j'ai mis dehors, là. On le met dans l'œil. Vous enfermez tous les deux avec Miller et avec Green dans le... Miller. Alors, si j'ai bien compris, on a Miller, Sig, et puis avec Green dans le Medilab, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu fermes la porte derrière, on va aller dans la chambre des secrets, vous voulez parler entre vous, c'est ça? Ouais, je veux bien, ouais. Oh, putain, c'est chiant. Il nous ferme la porte ou pas? Bah, comme tu veux, Sig, hein. C'est toi. Tu veux aller dans disons, ou c'est pas la peine? Je crois qu'ils nous ont fermé la porte au nez. Je vais aller entre eux, là, on va les foutre la paix. Par contre, Sam, ça pue, hein. On est en train de se faire voler notre boulot par des putains d'androïdes. Oui, bon, ok. Ah non, mais c'est... Ça pue aussi que... Et t'imagines que si c'était une nouvelle espèce humaine hybride. Non, mais toi, t'as vu trop de d'holoscopes de science-fiction, toi. Faut que t'arrêtes, non, ça n'existe pas. On le saurait. Jamais notre univers... L'univers est amené à disparaître un jour. Ça fait plus de 2 millions d'années que l'espèce humaine n'a jamais évolué. Attends, ça va quoi. Non, ils sont en train de créer des androïdes, des putains de robots pour nous remplacer. Viens, Ray, on va aller se boire un café et se bouffer un sandwich. On va les laisser tous les deux tranquilles là. Ouais, tu sais quoi? On les laisse tranquilles. De toute façon, là, ils sont occupés avec leur robot. Moi, j'aimerais bien faire un tour dehors pour voir d'où il vient. Parce que ça se trouve, il y a un doc pas loin où ils fabriquent ça en masse, quoi. Ouais, ça serait bien qu'on y aille peut-être avec la navette. Avec une petite navette pour faire vite fait le voyage. Alors, on peut demander à Valentine. Valentine. Ouais, on va y réfléchir. Valentine. Bon, pendant ce temps-là, Miller et Sig, on va y arriver. Ouais. Miller et Sig, vous voulez qu'on parle, vous voulez discuter comme ça dans tout le monde, ou vous voulez discuter entre vous? Oui. Moi, je le discute. Donc, vas-y. Ok. En fait, commandant Miller, je viens de. On vous entend là. Oui, c'est pas grave. Oui. Commandant Miller, les analyses sont sorties. A priori, la mer est remplie de bactéries. Donc, le travail qu'on devait faire, à savoir faire vivre cet océan, a déjà été fait. Il se trouve que la signature ADN que j'ai retrouvée est la signature ADN de la Weyland-Yutani. Et a priori, ça aurait été fait il y a à peu près un an à 10 mois, quelque chose comme ça. Oui, il n'y a pas de... Alors, je pense que avec... Oui, ils ont déjà fait notre retard et on n'aura pas touché nos primes. On n'écoute pas derrière la porte. C'est un robot, c'est ça.
avec la combinaison plus plus ces infos, je pense que il n'y a pas de doute qu'il y a une mission qui a été là avant nous. Non, mais tu vois, des robots, ben voilà, ils payent pas de salaire, voilà. On se fait niquer. Et pour notre occupant mystère là, Green, je pense que ça serait intéressant de... Ouais. Oui, juste pour info, effectivement, je n'ai rien dit quand vous êtes arrivé sur la Lune parce qu'il n'y avait rien à entendre. Vous n'avez détecté aucune balise, rien du tout. Donc, il n'y a pas eu de balise. Normalement, quand on prend possession d'une planète comme ça, il dépose, enfin, ça c'est ma sauce à moi, il dépose une balise qui signale que la présence de la planète et que la planète est un peu l'équivalent du drapeau, quoi. Et là, vous Oui, n'avez, je n'ai donc rien dit parce que vous n'avez détecté aucune balise en arrivant. Donc, il n'y a pas de balise posée par la Weyland Utani. Donc, actuellement, cette planète, elle n'appartient à personne. Et donc, votre mission n'est pas complètement encore échouée, quoi. Sony, avec ses éléments, fait l'analyse de ces éléments. En fait, commandant, imaginons qu'une mission précédente, il y a un mois, ait commencé à faire ce que nous devions faire, c'est-à-dire prélever, ensuite enseminer, et devait monter au sommet du volcan pour planter une balise. Les deux premières étapes ont été faites, la troisième n'a pas été faite, et on se retrouve avec un synthétique qui, ma foi, est un peu singulier pour moi. Plus que singulier, oui. Ça voudrait dire que la mission n'a pas été finie. Ça voudrait dire que si un vaisseau était venu ici et qu'il soit reparti, la Welland l'aurait re-amené pour finir la mission et mettre la balise pour que la planète leur appartienne. Vu l'état de notre ami ici, ça m'étonnerait que le vaisseau soit reparti. Je vais Ça réunir veut dire que... équipage, mais ce qu'on va faire, c'est que on va aller poser la balise et on va partir d'ici. La mission est terminée de toute façon. Point de détail, est-ce que si l'insémination est faite par la Welland, nous on devait l'inséminer, donc on aurait dû mettre de l'ADN de la de nous on est les Nations Unies, enfin comment je Les Amériques unies, ouais. Amérique unie. Est-ce que c'est important qu'on ait notre ADN dans l'océan ou peu importe, il suffit qu'on ait la balise? Pas sûr que ce soit important. À partir du moment où les océans sont... que le Et travail d'ailleurs, de... L'idée, c'est de faire de la terraformation, quoi. C'est de convertir le CO2 en oxygène. Donc c'est pour ça que vous mettez du phytoplancton. Et surtout, je pense pas que ça peut. On peut inverser maintenant, si ça fait un an qu'il y a de la vie déjà. Oui, Le puis de toute plus, par façon, contre, le ça veut temps qu'ils dire s'en que... rendent compte, ça va. Ouais, Oui. ouais. On risque rien. Donc on peut prendre possession de la Lune, donc il manque à Ouais. faire à poser la balise. On va poser notre valise et voilà. Donc moi je Green il a bougé, il a fait quelque chose? Non, il est exactement là où tu l'as posé. C'est comme si tu avais posé un meuble. Est-ce Voilà. que je sais un peu ce qu'on a un peu en termes de scanner qu'on pourrait essayer de voilà, scanner sans forcément toucher Tu le peux corps quoi. essayer de le scanner, ouais. Le mettre dans un Sinon, scanner. on a une scie circulaire Oui. hein, Les barbares, quoi, Les deux koalas, je les les laisse plus s'approcher du Les deux micro. bourrins. Donc, On essaie de le scanner, Au de cutter l'examiner un laser petit et peu. au circulaire, on Voilà, peut y arriver, hein. si un examen complet physique est trop compliqué avec la combinaison qu'on ne peut pas retirer, si sa peau est dure comme de la pierre, pour l'instant, je pense qu'on peut essayer de scanner et d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Mais vu son état, j'ai pas forcément envie de m'attarder sur cette lune de toute façon. Donc je pense qu'on peut aller rapidement déposer la balise et repartir le plus vite possible.
Alors, au scanner, vous découvrez rien du tout. En fait, ça passe pas à travers sa peau, en fait. Vous voyez Cham avec sa scie circulaire juste à côté. J'ai pas entendu. J'ai dit au niveau du scanner, les rayons, enfin les rayons X que vous utilisez ne passent pas à travers sa peau. Vous ne détectez rien à l'intérieur. Et là, je me tourne vers Miller et je dis, là vraiment, je pense que c'est pas normal. La technologie. Elle est où la batterie pour la scie circulaire? Rail. Je te l'apporte. Par contre, j'ai le double de puissance. Oui, je cherche le disque à diamant là. Tu sais où est-ce qu'il est? Alors j'ai mieux que ça. J'ai le disque à laser de High Technology Whiteland Utani. Amen. On va essayer. Mais hey, y a un truc mieux, y a, comme tu disais à la bonne vieille époque, tu prends le marteau de burin, mais t'essayes de décapsuler un œil. Quelle horreur. C'est possible. Je vais chercher aussi. Le levier, y a rien de tel. La force du levier. On vient avec les outils près du lab, on attend juste qu'il effectivement, oui. Miller, si quand vous rouvrez la porte du lab, vous voyez Cham et Rai avec des outils sous le bras qui vous regardent d'un air bien décidé. Donc, quand est-ce qu'on en perd, docteur? À suite. Commandant Miller, est-ce que ce serait... Je vous propose que... tout le monde se remette dans la tambouille et qu'on fasse le point avec tout le monde. Ouais. Green peut rester là, il risque rien de toute manière. Et on fera le point de ce que je viens de vous dire pour la suite de la mission. Désolé, c'est pas pour maintenant. On repart en entretien. Attends, sur le CompSat et je vais demander à... On prend le matos à côté parce que moi, tu connais le chef, elle va encore revenir sur sa décision finalement. Voilà, elle va nous traiter de feignants. On pose le matos à côté, il est tout chaud, voilà. Et on attend. Oui. Je laisse bien le marteau et le burin en évidence. Ouais, alors gardez peut-être plutôt le matériel avec vous. J'ai pas forcément envie de le laisser comme ça dans les couloirs. Non, mais là, il est. Toi, il est. Enfin, voilà, il est. Ça gêne personne. Attendez, j'amène la question. Non, hein, vous inquiétez pas. Un petit question de compartiment, vous inquiétez pas. Bon, je vais chercher vite fait, on va mettre tout ça là-dedans. Ça sera tout près à côté du lab. Voilà. J'appelle Valentine pour qu'elle nous rejoigne aussi. Ouais, j'arrive. Ouais. Et une fois que tout le monde est là, je fais bon. On a une situation un peu étrange sur nos bras, mais on va faire du mieux qu'on peut et on va essayer de remplir notre mission le plus vite possible et de repartir. J'ai pas forcément envie de prendre de risques. On a juste à déposer les bactéries. D'après les tests. Effectué par Six, ça a déjà été fait. Il nous reste plus qu'à monter, à aller sur le volcan pour poser une balise, comme quoi cette lune nous appartient. Et ensuite, on peut quitter cette planète. Pour le cas de Green, la personne qu'on a récupérée. Ça veut dire que ouais, boulot a déjà été fait. Le boulot a déjà été effectué par la Wayland Yutani. On va toucher nos chèques. Exactement. D'accord, donc on touche nos chèques. Moins d'efforts, même chèque. Ça me va. En ce qui concerne Green, on va le laisser en quarantaine pendant quelques temps, pour l'instant. Et on reviendra une fois qu'on aura quitté la planète. Oui, effectivement, on pourra peut-être en tirer un bonus. On verra. Ah. Et une fois qu'on aura quitté la planète, on pourra essayer de faire des tests, mais j'ai pas envie de m'attarder ici. Oui, donc, tu vas mettre la balise. Bah, c'est parti. Fiona, tape sur le volcan. En route cocotte. Avant qu'on démarre, Fiona, si vous voulez bien, quand on décollera,
Est-ce que ce serait possible que vous regardiez attentivement s'il n'y a pas un vaisseau qui traîne quelque part? Parce qu'en fait, Petit vaisseau, je l'ai remis en état. Vous... tout ce qu'on devait faire a été fait il y a à peu près un an, c'est-à-dire inséminer les océans. Par contre, la balise n'a pas été implantée. On se retrouve avec un synthétique qui errait sur la planète habillée avec la Wulang Yutani. Ça veut dire que peut-être le vaisseau a eu une avarie ou a eu ou un accident ou quelque chose comme ça et n'a pas pu aller jusque au sommet du volcan. Donc quand vous survolerez, si c'est possible, avec vos yeux perçants et... Healer. Alors, moi je veux bien, mais c'était quoi mon intérêt de trouver ce vaisseau? Mettons que tout le monde soit mort à l'intérieur, sauf notre ami Green. J'ai une Pourquoi est-ce petite qu'on question, recherche? mais Miller, Oui. On ne doit pas le déclarer à la compagnie quand on fait des découvertes de ce genre-là? Oui, parce que sinon on va pas toucher le chèque, hein. Parce que si il n'y a pas une prime si on découvre des gens à sauver ou à trouver des informations ou enquêter Sans sur doute, ce genre de choses. Et la compagnie, on n'aurait pas dû les appeler pour leur dire qu'on avait trouvé les appeler. un synthétique. On peut les appeler et tout comme ça. Tu peux pas les Bah appeler. ouais, non, parce qu'ils ont. Si, mais ils Oui, mettront quelques années à vous répondre, quoi, parce que vous êtes quand même à plusieurs voilà, bien sûr, années-lumière, quoi. tu peux pas les appeler. Envoyer un message, je veux Mais dire, vaut mieux les prévenir envoyer un tout de suite, message. comme ça on touche le chèque à la fin. Ouais, mais le temps que vous rentriez, votre message ne sera pas encore arrivé, que vous serez déjà rentré, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Via la vitesse, Bichon, qu'est-ce vous. qui vous arrive? C'est pas vous d'être aussi corporate que ça. D'autant plus que, Cham, je ne sais pas si c'est le cauchemar que vous avez fait tout à l'heure qui vous a un peu perturbé, mais nous ne faisons pas partie de la Wayland Company, Yutani. C'est vrai. Donc, nous n'avons aucun intérêt à leur signaler qu'on leur a récupéré quelque chose à eux. Hein. À moins que vous sachiez quelque chose sur la Wayland Yutani. Non, 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 c'est moi qui yoyote. Bien. Bon, du Donc, coup, ouais, on y j'étais va. en train de demander quel est mon intérêt à trouver le vaisseau. Enfin, qu'est-ce qu'on va y faire si on le trouve? C'est pourquoi, en fait. Pour moi, l'intérêt est proprement scientifique, Ouais, chère mais Fiona. je pense qu'on n'a pas le temps et j'ai pas envie de finir comme Green, alors non, je suis pas trop pour. Je sais pas ce que t'en penses. Et là, je me tourne vers le capitaine. Ouais, faudra voir. Je pense qu'on peut garder un œil ouvert pour essayer de le repérer. Après, est-ce qu'on va s'y aventurer ou pas? Je sais pas. Il peut avoir des choses de valeur à récupérer sur un vaisseau de la Welland, mais pas sûr que ça vaille le coup en termes de risque. Bah, c'est toi qui Si je décides, peux hein? me permettre, commandant, vous avez vu la qualité du synthétique? Surtout la Et qualité de son arme, de sa combinaison. on l'a le synthétique, on n'a pas besoin d'aller fouiller sur le vaisseau. Peut-être il y a mieux. Vous imaginez si on trouve d'autres combinaisons comme ça? Je pense pas qu'on peut trouver plus intéressant. Mais on gardera un œil ouvert. Bon, Bon, donc bah, très bien. vous y allez avec le Montero ou vous prenez la petite navette? La Non, descente on de y va Montero sur la avec le plage. gros vaisseau. Moi, j'avais déjà Ouais, bah c'est décidé, enfin, parti. Valentine avait déjà décidé de Soyons se poser fous. tout en haut avec le gros vaisseau. C'est Parce que c'est pareil, plus de soyons challenge. fous, mais ouais. Allons-y. Fais confiance, les yeux fermés à ma pilote. Carrément. Exactement. D'ailleurs, elle se prend un petit remontant de plus avant de prendre Ah, le putain. volant. Sauf que Sony, il est juste derrière et lui, par contre, il se met juste derrière elle. Bah, tu peux C'est un te mettre pilote, il derrière se met moi, juste ça derrière. m'empêche pas de prendre mon montant. Il n'y a pas de problème. Eh ben, C'est parti. vous décollez et vous partez en direction du sommet du volcan. Vous allez Autant moi, tous ceux qui est dans la elle va me cabine? le Qui est dans la niquer. cabine?
de pilotage? Ouais, bah moi, je suis je suis avec. derrière moi je suis derrière la pilote. Tous ceux qui sont dans la cabine de pilotage, vous me faites un jet d'observation pour voir qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre. Difficulté normale? Ouais. Je prépare la balise. Oh, joli. Joli, joli, joli. Eh bien, la suite au prochain épisode, nous allons faire une pause.